Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. Les amis, on est reparti. On est reparti pour un tour. La chaîne MC, c'est reparti. Merci d'être là, hein, après tout ce temps. Donc j'ai fait une petite pause. Je suis parti 2 ans à Dubaï, je suis revenu ici à Maurice. Donc pourquoi Monsieur Cédric, le nom de la chaîne en fait. Donc j'ai lancé en 2017 je pense. Je vivais à Maurice, où on se trouve actuellement. Et donc ici, tous les Mauriciens qui sont très gentils vous appellent Monsieur votre prénom ou Madame votre prénom. Donc moi, tout le monde me disait Monsieur Cédric. Bonjour Monsieur Cédric. Bonjour Monsieur Cédric. Bonjour Monsieur Cédric. Monsieur Cédric, bonjour Monsieur Cédric. Et donc du coup, je me suis dit, ça peut être cool. Donc, vas-y, on va créer la chaîne, on va l'appeler comme ça. Monsieur Cédric MC. Et donc toi, si tu t'appelles Bernard, bah, ici tu seras Monsieur Bernard. Ou si tu t'appelles Magali, tu seras Madame Magali. Voilà vraiment l'idée. Ensuite, la philosophie de la chaîne MC. Et restez bien avec moi jusqu'au bout parce que je vais vous montrer ce qu'il y a derrière ces deux portes de garage. D'accord ? C'est ça la philosophie de MC, c'est communiquer cette passion des voitures. Et... cette passion qu'on a depuis qu'on est petit, d'accord, des sports cars, des super cars, mais pas que, de toutes les voitures en général. Cette passion pour la mécanique. Et je vais vous montrer ce qui se cache derrière ces deux portes dans un instant, restez avec moi. Donc, la philosophie de la chaîne MC, l'idée, c'est pas de faire comme d'autres qui font déjà des choses très bien, comme GMK ou Akram. D'ailleurs, on leur dit jamais merci. Qui est-ce qui leur a dit merci à GMK ou Akram publiquement, parce que par rapport à ce qu'ils apportent à l'automobile, d'accord, ils véhiculent une bonne image, une très bonne image du monde automobile, de la passion, de la communauté, ils font du super boulot. Donc bah, moi je tiens à les remercier publiquement pour ce qu'ils font depuis des années. Je sais que c'est du travail, qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Donc chapeau à ces deux gars-là et ainsi qu'à d'autres, on va dire youtubeurs, vlogueurs, blogueurs dans le monde de l'automobile qui ne sont peut-être pas aussi influents, mais il y en a aujourd'hui des dizaines et des dizaines, voire des centaines. Donc merci à vous et bravo, félicitations pour tout ce que vous faites pour notre passion. Et donc sur MC, l'idée c'est de faire différemment, d'accord, de faire autre chose. Et donc depuis le début de la chaîne en 2017, la philosophie ça a toujours été, on va dire, le lifestyle qui tourne autour de la voiture et le fait de les posséder, d'accord. Être propriétaire de ces voitures-là, comment c'est, comment ça se déroule, comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on se sent au jour le jour? Ça fait quoi? D'accord? C'est vraiment le fait d'être un propriétaire de ces voitures-là. Comment on vit finalement? D'accord? De partager ça, cette passion, ces émotions avec vous. Et bien sûr, surtout de conduire ces voitures, les conduire. D'accord? Et pas sur circuit, les conduire sur route, dans des vraies conditions. Et kiffer et avoir des émotions au volant. Et s'il faut crier parce qu'on a une... un truc entre les deux jambes qui a tapé le volant parce qu'on a kiffé l'accélération. Hésiter à crier et à faire passer les émotions et être naturel et authentique au volant, parce que c'est ça finalement quand on voit une GT3 à 9000 tours minute, et ben t'as un truc entre les deux jambes qui tape le volant tellement t'es bien, quoi. D'accord. Hey, les gars chez Porsche, putain, vous avez fait du bon boulot les gars. J'ai une érection, je suis en érection. Donc c'est ça vraiment l'idée, c'est de communiquer cette passion et ce plaisir de conduite et de rouler les voitures, de faire des road trips. Ça, c'est ma passion, partir en road trip avec d'autres personnes, peut-être vous, d'accord, partir ensemble en road trip sur des superbes routes en France, dans le reste de l'Europe. C'est magnifique, d'accord, partager et rouler ensemble, d'accord. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais créé ma chaîne à l'époque, c'est pour me faire de nouveaux copains et pouvoir rouler avec eux et kiffer. Et parce que quand tu roules, rouler à bien, c'est à rouler à 1, c'est bien, mais rouler à 2, à 3 ou 4, c'est encore mieux. D'accord, c'est vraiment le but de ça. Finalement, on a des voitures, on les partage, on les montre aux autres, on écoute les autres rouler, on les voit. Tac, voilà. Pour moi, c'est vraiment la philosophie de la voiture, les partager, les kiffer et surtout les rouler, les rouler, les rouler, les rouler, les rouler, les conduire. Donc j'ai vendu.
c'était pas une garage queen, je lui ai mis plus de 20 000 km, 21 000 ou 23 000 km, je sais plus. Donc c'était pas une garage queen, c'était pas une reine du garage. C'est une voiture que j'ai amenée partout, en Normandie, en Alsace, dans le sud de la France, à Monaco, à Bordeaux, je l'ai amenée partout la voiture. En Suisse, deux fois je crois, ce n'était pas une garage queen, d'accord. Donc c'est vraiment fait pour ça, les voitures, c'est fait pour rouler et ne pas rester enfermé et briller dans un garage. C'est vraiment ça ma philosophie. Donc, je vous montre tout de suite ce qui se cache derrière ces deux portes. Donc, première petite surprise. C'est pas vraiment une surprise. Celle-là, il n'y a rien de ouf. Vous la connaissez déjà. Et après l'Aventador, il y aura sûrement autre chose qui va se passer parce qu'elle me manque, l'Aventador Ferruccio. Il va se passer des choses en 2024, 2023. Vous connaissez celle-là, vous la connaissez, c'est mon Macan Turbo Pack Performance. Le Pack Performance, c'est l'équivalent d'un Turbo S sur un Cayenne ou une 911. Sur le Macan, il n'y a pas de Turbo S. On passe sur le Macan Turbo Pack Performance avec des éléments en plus, un peu plus de puissance aussi par rapport au Turbo d'origine. C'est un modèle 2017, 440 chevaux, on met les enfants derrière, voilà. Mais c'est une petite voiture, hein. Le Macan, c'est un petit gabarit, 440 chevaux, c'est un petit SUV, ça fait le taf. À Maurice, ça marche bien, même si la voiture qu'a quelques années, honnêtement, elle a bien vieilli, elle répond bien, c'est une petite bombinette, j'aime beaucoup cette voiture. Donc c'est un daily qu'on a ici en famille, on roule avec, j'ai aussi mon Raptor qui se trouve juste là, ça c'est vraiment les daily. Et je vais vous montrer ce qui se passe, surtout de sérieux. Là, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Je vous dis, vous n'êtes pas prêt. Vous êtes prêt, je vous montre. Ok. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette arnaque? Il y a un trou dans le garage, là, il faut combler ça. C'est quoi ce truc? Damn! Non, plus sérieusement, il y a vraiment un bonbon qui arrive. C'est la GT3 992. GT3 992, donc celle d'après, la face d'après de Pikachu que j'avais, la jaune. Ça, c'est la GT3? 991.2 atmosphérique bien sûr. Donc là c'est la 992 GT3 que j'ai commandé en décembre 2021 et là elle est arrivée cette nuit sur l'île de la Réunion, qui est l'île voisine de l'île Maurice, et elle arrive normalement demain ou après-demain à l'île Maurice. Donc elle arrive bientôt, elle sera ici dans le garage et elle est là, elle est à 100 km, elle est vraiment pas loin, elle est en mer où elle est toujours un marais. Vous pouvez aller voir dans Google, c'est le bateau, c'est, je sais pas si c'est comment, si on prononce comme ça, c'est Hog, c'est norvégien ou suédois, Hog Saint-Pétersbourg, le bateau, d'accord. Donc à un moment, peut-être que vous allez regarder cette vidéo, le bateau sera déjà arrivé à Maurice et même reparti, d'accord. Donc sachant qu'ils ont des grosses cargaisons de Porsche là, entre autres, sur le bateau, puisque du coup il y a eu énormément de retard avec ce qui s'est passé cette année ou autre, et en production ou autre. Et donc là, ne serait-ce que sur la Réunion, ils ont déchargé beaucoup de voitures de Porsche. Maurice, pareil, il y a aussi un GT4 RS qui arrive sur le même batch, pas pour moi, pour quelqu'un qui a du goût aussi, qui a un bon goût. Donc il y a vraiment du lourd qui arrive et tout est déjà vendu. On fera un autre sujet, si vous voulez qu'on parle un petit peu de voitures, d'argent et d'argent par rapport aux voitures, le marché où est-ce qu'il va, sur les SUV, sur les supersports, tout ça un petit peu, voir comment le marché se comporte, parce qu'il y a eu tellement de choses avec les trucs qui s'est passé, je vais pas dire des mots magiques parce qu'on va me bannir dans la vidéo, mais il y a eu tellement peu de, beaucoup de, au début il y avait plus de demandes, puis après il y a eu énormément de demandes mais plus assez d'offres. Donc du coup, c'est vraiment passionnant ce qui s'est passé au niveau des voitures d'occasion ou même du neuf. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo là-dessus, plus vraiment sur les voitures, sur l'achat, le prix, comment mieux négocier une voiture et comment perdre le moins d'argent possible. On peut faire une vidéo là-dessus si vous le souhaitez. Donc la GT3, elle arrive très prochainement, elle va être là. Et donc la vidéo suivante, la prochaine vidéo sur M6, ce sera la livraison. Je vais vous emmener avec moi, on va faire une petite livraison comme on avait l'habitude de le faire. Et je vous révélerai à ce moment-là de quelle couleur sera la voiture. D'accord, parce que du coup, c'est une voiture que j'ai configurée en décembre 2021. C'est toujours un peu compliqué de configurer, mais à un moment, allez, je prends ça, j'y vais. Et voilà, donc j'ai hâte de l'avoir de mes propres yeux.
Je pense que ça va être un bon petit bonbon et j'ai déjà trouvé son nom, je pense. J'ai trouvé son nom. C'est pas Pikachu. Donc indice sur la couleur, c'est pas Pikachu. Donc en tout cas voilà, révélé dans la vidéo suivante, livraison à venir. Donc mettez bien les cloches, notifications, tout ce que vous voulez, ou pensez à revenir voir cette chaîne si vous voulez assister à la livraison de la GT3 qui arrive très prochainement. Elle est là, elle est pas loin, elle est juste là, à l'autre bout de la mer là. Elle est pas, je dis 100 km, d'accord. Elle va venir là, parce qu'il y a vraiment de la place. Et voilà, et on va se faire plaisir avec ça, on va rouler un petit peu, tac tac, on commence à rentrer dans l'été. Ici à l'île Maurice, je vais vraiment vous faire un tour complet de la voiture une fois que je l'aurai, vous me vraiment montrer tous les détails. On va devoir se taper le rodage, ça c'est un peu galère avant de pouvoir la monter à 9000 tours, mais on va faire ça en bonne et due forme et très vite on va pouvoir la monter à 9000 tours et avoir un truc qui tape le volant entre les deux jambes là, parce que ça, c'est tellement, t'es là, tu dis ah qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cet orgasme. Vous savez ce que c'est quand on monte à 9000 tours, en tout cas vous l'avez expérimenté sur ma chaîne MC avec la première Pikachu qui a été une des meilleures voitures que j'ai possédées jusqu'ici. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. MC, c'est reparti. Prochaine vidéo à venir. Livraison de la GT3 qui arrive dans quelques jours, quelques heures, peut-être demain à Maurice. Tant qu'on publie la vidéo, ça va arriver très vite. Pour le moment, on peut refermer ça. Il n'y a rien à voir. Mais bientôt, ça va changer. Merci les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao.